tout simplement. Voilà. Oh, voilà. L'uppercut magnifique. Il est ici. Dans le coin, oui. Et derrière, encore. Il est touché en bas. Oh, l'uppercut encore en droit. Magnifique, allez, ouais. Il enchaîne. Et pour la deuxième fois dans ce round, Clark est compté. Il va pas se relever. De la part du Français. Il s'est encore assis dans les cordes, Ali Bagouz. À terre pour la deuxième fois. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Oh, la droite encore. Il regarde son coin. Et pour la quatrième fois, il est à terre. Et c'est terminé, c'est terminé. Moins de deux rounds, quatre voyages au tapis d'Ali Bagouz. Mais que c'est dur, que c'est dur. Et il est arrêté. Allez, c'est comme ça, il faut faire aller. Encore des séries pour faire vaciller David Allen. Oh, la pluie de coups. La pluie de coups. Et le Britannique est arrêté. Dixième reprise. Ah, très bien, super. Tony, même ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé, il est plus présent, il est là, il est physique, il est un peu, il est agressif. La droite, superbe, superbe la droite, suivi d'un uppercut de Tony Yoka et Dimitrenko à terre pour la première fois sur un superbe enchaînement. La droite, elle est belle. Et plus d'une minute trente pour terminer le combat. C'est terminé. Retour gagnant pour super. Tony Yoka. Dimitrenko est KO. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à faire ça. Il avait déjà fait très mal à Dimitrenko. Et il va rester du temps pour terminer le combat. Encore une accélération de Tony Yoka. Deuxième voyage au tapis pour Michel Valich, qui est arrêté par l'arbitre. Il n'est pas content, l'Allemand. Nouvelle victoire expéditive de Tony Yoka. Comme face à Dimitrenko, ça s'est conclu en trois rounds. Déjà des coups très lourds, ouais, très puissants délivrés par Tony Yoka avec cette droite. Attention, faut pas non plus. Ouh, l'uppercut. Incroyable, oh. Il est déjà au tapis. C'est fait. Les petits récupérés. Oh, la droite, il est KO debout. Il est KO debout, l'enchaînement de Tony Yoka. Uppercut et droite. C'est des coups. Oh là là, ça fait mal. Et il est au port de la rupture du Hopard. Même avec toute son expérience, il a vacillé. Encore le deuxième voyage au tapis, c'est terminé.